Yo 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 les potes, on est sur Spider-Man 2 pour continuer notre let's play. On avait joué que 2 heures je crois la première journée. Hop, let's go. Ah, il y avait marqué précédemment, donc c'est bien, ça retrace ce que vous avez fait avant. Par exemple si vous faites une longue pause. Pas mal. Alors 1000 XP. Level up. Salut Miles, j'avais pris l'habitude de tomber sur ta messagerie. Je t'ai envoyé une adresse. Peux-tu venir? Salut oncle Aaron. Alors, t'as pas le temps de venir voir ton oncle? Non, je voulais te laisser respirer après ta libération. C'est Spider-Man. Fonce, fonce. Mais des courses de rue sans prévenir. Il me repère facilement. Hein. Alors je voulais faire un truc, je voulais modifier le son des voix. Je trouve qu'il était pas assez fort. Ça fait un point pour les gentils. Il y a un Spider-Man ici. Désolé, je faisais un truc. Alors, t'as pas le temps de venir voir ton oncle? Non. Je voulais te... Salut. Est-ce que l'un de vous deux a un permis pour ça? Mike, alors, je respire encore, mais je vais l'emmener à l'hôpital. Je finirai jamais mon appel avec mon oncle. Le feu d'artifice avait l'air louche. Il va s'en sortir? Je crois que oui. Il est juste inconscient, on dirait, mais je vais pas prendre de risque. Sous l'hôpital. Oh, monsieur Spider-Man? Vous en faites pas, je vais vous emmener à l'hôpital. Et je précise au passage que les feux d'artifice privés, c'est interdit à New York. On savait pas. C'était pour notre frère. Lex. Lex Luthor. Il nous a quitté il y a quelques années. Mais non. Et il adorait ça. Alors on essaie d'en allumer quelques-uns pour son anniversaire. Ok, oh, ok. Je suis désolé. Pas mal, pas mal. Bonne excuse, j'avoue. Spider-Man. Wow. Voilà. Les docteurs sont géniaux ici. Ils s'occuperont bien de vous. Merci. Non, en fait, attendez. Si les feux d'artifice qu'on a achetés étaient trafiqués, vous pourriez aller voir ceux qui nous les ont vendus. Ils sont sur les quais au nord, entre les deux ponts, là. Je crois que je vois où ça se trouve. Ah, ça m'a lancé une mission. Pas mal. Alors, avant d'y aller et de passer l'appel avec notre oncle Aaron, est-ce que je peux augmenter le son? Ah, je peux pas augmenter le son des voix. Bon, c'est pas grave. Hé, je viens de déposer Mike. Il voulait que je rende visite à votre fournisseur de feux d'artifice. Les types sur les quais? C'est pas bête, mais faites gaffe. J'en ai vu deux qui avaient des flingues. Des gros flingues. Je vais faire attention. Merci. Claron. Mec, fais attention. Putain, Claron. On va perdre tout notre fric si ça explose. T'as envie de faire, peut-être? Alors retourne t'occuper des flingues et laisse-moi bosser. J'aime bien la faire en furtif. J'aime bien jouer en furtif dans Batman, du coup, et dans... Herman. Miles peut se camoufler pour devenir invisible. Lorsque sa barre de camouflage est pleine, lorsqu'il n'est pas activé, le camouflage se régénère avec le temps. Alors la barre, elle est où? Ok, là-haut à droite, c'est la barre bleue. Ok, avant... Ah, je suis obligé. Fais dodo. Il va revenir lui là. Quand c'est... Je sais plus c'est quoi. C'est quand c'est rouge c'est discret et quand c'est pas rouge c'est pas discret. C'est ça hein. Je sais plus. Manu, je peux... Ah, c'est bon. Lui, c'est bon. Ok.
et... Merci de ta coopération. Il en reste ? Il reste les deux là. Il y en a, ah mais il y en a vraiment à côté là en fait. Je l'ai même pas vu. Là, je t'amène un pote. On pourrait discuter comme ça. Ah, ils ont enlevé des toiles spéciales du 1. Dommage. Ah, je les vois pas en tout cas. Yo Turpi. C'est pour ton bien. Bonjour à toi, merci. Tu dois être plus avancé que moi logiquement. Vu que j'ai fait que 2 heures. Encore un ? Il est où cet enfoiré ? Il y a encore un. Ah oui. Les feux d'artifice, ils sont allumés. Le fleuve, il faut les jeter. Non. Et non. Ah merde. Encore deux de plus. Si je me dépêche pas, tout va exploser. Ok, dernière caisse. Let's go. Cool. Wow, vraiment très cool. Joyeux anniversaire, Alex. À vous. C'était vous, ça? Wow, j'espère que Mike a pu voir ça depuis l'hôpital. Lex aurait adoré ça. Profitez bien de votre séjour à New York. Faites attention. Allez, on claronne maintenant. On claronne, on claronne. Hey, désolé. On va attendre, on va attendre. Je bouge plus. Alors, t'as pas le temps de venir voir ton oncle? Non, je voulais juste te laisser respirer après ta libération. C'est pas la peine. Et puis, on a des trucs à régler. Ah ouais? À plus tard, petit gars. Va lui rendre visite, Miles. Ce sera fait. Après, on se concentre sur ceux qui ont enlevé Lee et Scorpion. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup qui se prépare. J'aimerais bien, ouais, aller voir Aaron. Est-ce que je peux le faire maintenant? Ah bah c'est tout de suite. Let's go. Pas mal c'est de ces wings là, j'oublie souvent qu'ils y sont. Et c'est vraiment stylé hein. Oh, y a un crime sur le chemin, on est obligé de le faire. Quoi? J'essaie de faire sauter une citerne. Ok, fini de rigoler. C'est des pyromanes, c'est quoi ça? C'est bon, c'est éteint. On a une pète de feu ici, madame. Yo, mec. Je vais vous déposer près d'une ambulance. On s'occupera de vous. Oh mon dieu, merci. J'aime bien ça de transporter les gens comme ça, j'aime bien. Très stylé. On est presque arrivé. Désolé, je suis pressé. Et voilà.
tout va bien se passer maintenant. Dieu te bénisse, Spider-Man. Let's go. C'était quoi le délire avec ces types? C'était comme si okay. venait d'une secte. Allons voir. J'avoue. Mieux d'en parler à Peter. J'avoue, c'était comme si il venait d'une secte un peu bizarre. Superman! Salut les amis, ici Danica. Vous écoutez le Danicast, le podcast le plus populaire du moment à New York. Accroche-toi à ta moustache, Jonah, j'arrive pour te piquer. Putain, mais what the hell? Je tiens d'abord à saluer les nouveaux auditeurs. Le Danicast, ah, bordel. Votre rendez-vous quotidien avec de vraies histoires racontées par de vraies personnes. Vous avez entendu l'histoire de Dennis, ce conducteur qui a continué à faire fonctionner tous les métros de la ville pendant l'attaque de l'homme sable. L'accès à la cabine de contrôle principale a été coupé, mais il est arrivé à se reconnecter au réseau depuis son smartphone pour éviter une interruption du trafic. Des milliers de gens ont été évacués du Queens et de Brooklyn grâce à lui. Dennis, l'équipe du Danicast te salue. On continue comme ça. Elisa, t'es fou ! J'ai un pouvoir ailleurs là ? De la flamme, ok, c'est la flamme leur nom. Désolé, mais personne sera marqué aujourd'hui. Ah, j'ai fait. Tu nous envoies. Tu n'as pas ta place dans le nouveau monde. Le nouveau monde, carrément. Ok. Des fers à marquer? Ils sont complètement malades ou quoi? Ils sont zinzin. On claronne. Une photo en face, non? Bon, je prends une photo déjà. Non. Et comme ça. C'est un peu compliqué de prendre la photo, je trouve. Non, c'est de l'autre côté, je crois. Vers le haut. Nickel. Ça me rappelle les gens qui écrivaient au Bugle et certaines personnes qui y travaillaient. La liberté d'expression, c'est magnifique. Mais entre ce qu'on dit et ce qui est vrai, il y a parfois une différence. T'as bien raison, mon pote. Plus tu resteras là-dedans. J'ai trouvé la marinière. Ça suffit. Je sauvais les gens en premier. Je peux contrer des. Ah, je peux, ok. Il en reste un. Le 6 bonus. Disait le marteau bioélectrique. C'est quoi le marteau bioélectrique? Ah, c'est le L1. Ça. Ah, my bad, du coup j'ai pas réussi. 4 ennemis et c'est mort. Je l'avais pas vu. Tout le monde est sain et sauf. Les pompiers peuvent prendre le relais maintenant. C'est bon. Ok, je sais pas. Ah!
Let's go! Est-ce que tu comptes vraiment garder ton masque? Tout dépend. Relax. J'ai pas envie que mon neveu me mette une nouvelle raclée. Ton père me lançait exactement les mêmes regards. Petit ? Martin Lee. Quelqu'un l'a libéré. Je sais ce que tu te dis, Miles. Mais c'est pas ta faute. On peut pas le laisser vivre ici. C'est juste une autre sorte de prison. C'est pas si facile. Je dis pas le contraire. Mais parfois, il faut savoir se défaire du passé pour pouvoir aménager son futur. C'est pour ça que j'ai appelé. Faut que tu récupères des trucs. Je le ferai bien moi-même, mais... Le rôdeur a dû prendre sa retraite. Qu'est-ce que c'est ? Juste du matos à retirer de la circulation. Planqué près d'un labo de Roxxon désaffecté, vers Central Park. Ouais, je vois où c'est. Tu laisses vraiment le rôdeur derrière toi ? Derrière nous. Et un truc. Comment t'as... Hey Miles. À propos de Lee. Fais pas de conneries. Ouais, ouais. Je rigole pas, Miles. Let's go! Il paraît que ce gars peut te réduire le cerveau en omelette. T'occupes pas de ça. Et sinon, quoi de neuf à part ça? L'école, l'université, les amours, ça va? Je sais pas. Je vais tester des choses. Comment je fais? Assez rond. Attends, assez rond pour faire. Ok. Je vais tester des choses. Les compétences que j'ai apprises. C'est ça le rond, c'est ça je crois. Par contre pour le... Est-ce que c'était L2? Non. Attends. Eh, ça m'énerve. Compétence. Ça là. Lors d'un plomb... Ah, lors d'un plongeon. Bah oui, bah... Ouais. Attends, je galère, attends. Mais ça marche pas. Ah merde! Bon, je vais faire la mission, on verra après. Je suis arrivé. Qu'est-ce que je dois chercher? Serre-toi de tes yeux, mon neveu. J'ai téléchargé des codes du rôdeur sur ton masque quand je l'ai piraté. Ouais, ça m'étonne pas. La cache ne se révèle pas avant d'avoir détecté le code dans ma tenue. Dernière étape, décrypter la clé. Essaie. Ne plante pas. Prends ton temps. C'est fait. Ok. Pas mal, petit. Positionnez-vous de manière à pouvoir placer le panneau de la place désirée. Bah, je sais pas, là. Bon, bas. Je capte pas.
J'avoue, j'ai pas. Ah! Ça? J'ai pas compris. Trop bien. Ok. Positionnez-vous de manière. Ok. J'allais là. Faut que je tire. Ok, j'ai capté. J'ai capté, en vrai. T'aurais fait un bon rôdeur. Tu devrais voir comment entrer maintenant. C'est une musique à la Harry Potter là. Ça y est. Tu voudrais pas me dire ce que c'est maintenant? Des vieux prototypes de tenue. Je t'en fais cadeau. Il y a plein de bons gadgets. Cool. Ça va être grave utile. Ok. Vous avez reçu une pièce high-tech rare. Utilisez vos ressources pour débloquer des tenues, des gadgets et des composants de tenues supplémentaires. Boostez vos capacités de combat et de déplacement en améliorant vos composants de tenues. Santé. Ah, mais c'est les stats. Ok, donc là, il me force à utiliser la santé. Ok. Collectionner et utiliser des ressources supplémentaires pour continuer à améliorer vos composants de tenue. Améliorer ça. Moi, je vais monter les dégâts, moi. Déplacement, c'est quoi? Ah, ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Compétences, d'ailleurs, il y a marqué 8, mais c'est-à-dire que j'en ai 8. Ah, je peux en acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je comprends pas tout. Hein. Alors, chance d'obtenir un tir de gadget gratuit au quatrième coup d'un combo de corps à corps. Genre, il s'active tout seul ou. Ah non, ok. Ah, je mets un gadget que je veux, d'accord. Réussir une parade contre un ennemi en standard lui fait perdre son arme. Pas mal ça. Des triangles pour. Ouais, c'est pour entoiler. Et ça, c'est pour faire décoller. Ça, je suis pas très fan. Pour l'instant. Et après, il y a les trucs de déplacement. Ça, je voulais le tester. Et ça, c'est pour Peter. Et le dernier, ce sera celui-là. Ok, ok. Écoute. Yo, Tuki, comment tu vas? Il y a d'autres caches comme celle-là. T'entends? Ceux qui ont libéré Lee, je suis sûr que ma technologie les intéresse. Mais il faut pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Tu es le seul en qui j'ai confiance pour régler ça. Ok, compte sur moi. Les coordonnées sont dans le masque. Ah, je vois pas comment ça fonctionne. Je me demande ce que maman va penser de tout ça. En fait, ça ne marche pas. La compétence. Celle-ci, je ne la comprends pas. Lors d'un plongeon, c'est ce que je viens de faire. Maintenez R2 pour accélérer l'aide d'un super looping. Mais ce que j'ai fait. Miles. C'est bien, t'es tranquille, hein. J'ai appris ce qui s'est passé pendant le transfert et pour. Tu vas bien? Oui, moi. Je vais bien. Estaba ayudando en Claron avec quelques trucs. Ah! Et. Comment il va? Está tratando. Pues que bueno. Mami, te veo en casa. Et avant que tu me redemandes, je te promets. Está bien. Te lo juro. Ça marche pas! Te quiero. Let's head out into the city. See what's going on. Pourquoi il parle anglais maintenant là? Pourquoi il parle anglais? Et c'est bon, j'ai réussi. Ok, c'est bon. Et moi tranquille du coup, je sais pas si j'ai répondu, je réponds au cas où. T'es en route? Mais ouais, c'est aujourd'hui. C'est confirmé, Monsieur Atlas sera là. Il a le meilleur programme dédié aux technologies musicales de tout l'état. Et j'ai entendu dire qu'il allait parler des bourses. J'ai tellement de questions à lui poser. J'arrive tout de suite. Ce camion est en danger. T'es en ça, Spider-Man. C'est vraiment pas le moment. J'ai pas besoin de me cacher. J'ai besoin d'un chauffeur fiable quand il faut qu'on s'arrache. Lancez les objets sur les ennemis. Quelqu'un a vu des voleurs qui cherchaient à se prendre une raclée?
Let's go! Attendez, vous saviez qu'il n'y avait pas le gros symbole dollar sur les sacs de transport de banque? Moi, perso, ça m'a déçu. C'est quoi le logo, là? Il y a un logo... Lance-pierre. D'accord. La ville a l'air assez calme. Toujours aucun signe de lui. Ou du gang qui l'a enlevé. Je me demande si Pete a plus de chance que moi. Ah, faut que je joue Pete. Ok. Attends, deux secondes. Ouais, ça fera clairement l'affaire. Let's go. Parfois, j'ai peur que toutes les catastrophes qui arrivent dans notre ville dissuadent les gens de sortir de chez eux et de vivre leur vie. Mais pas aujourd'hui. Yo mec. Et donc là faut que je change de perso. Hop là. Un cristal de sable. Miles a téléchargé des données là-dessus sur nos serveurs. Un lien avec le subconscient de Marco. Je devrais aller voir ça. Je savais bien qu'on se reverrait. Ah, j'ai du sable dans les bottes et dans les gants. C'est un cauchemar. J'avoue que c'est un peu horrible. Un jeu. Boum boum boum. Ça dégage la racaille. Il est temps d'ouvrir ce cristal. Quelqu'un nous observe, Kinya. Et je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je m'en occupe. D'accord. Marco s'est senti surveillé par quelqu'un. Et qui c'est cette Kinya? Hé hey Pete, t'es prêt à faire un tour à la fondation? Carrément. J'ai hâte de voir sur quoi tu bosses. Super, j'ai hâte de te montrer. Oups, je dois répondre, CMJ. A plus tard. Hey, comment ça va? Ah. Plutôt bien. Je viens de raccrocher avec Harry. Ça a l'air pas mal son histoire de fondation. Oh, cool. Ça avance aussi de mon côté. Je me suis renseigné sur la technologie utilisée par le gang pour attaquer le transfert de prisonniers. Waouh. Wow. Ouais, je sais pas qui pense ça, mais il manque pas de ressources. Bah, ils pensent qu'il a vu leur chef. Une espèce de chasseur de gros gibier, entre fourrure et tout. Intéressant. Je continue de creuser. Si ce papier fait la une, ça pourrait nous aider à les trouver plus vite. Et je pourrais pas. Désolé, je reviens tout de suite. Vous avez assez joué avec le feu. C'est l'homme araignée. C'est pas mon ulti, hein. Ah. Alors, je voulais tester si j'avais un ulti. On va savoir plus tard. Merci. La commande ne marche plus ici. Ça, bah, c'est pas une commande, c'est un point, c'est des points de chaîne. Désolé, MJ, une urgence. Tu disais? Bah, ils pensent qu'il a vu leur chef. Chopinette, il a utilisé il y a deux secondes, peut-être c'est pour ça. Mon trou de fourrure et tout. Intéressant. Je continue de creuser. Si ce papier fait la une, ça pourrait nous aider à les trouver plus vite. Et je pourrais peut-être aussi garder mon boulot.